Gloria al Señor por este tiempo hermanos aquí con ustedes. Señor por este tiempo con ustedes mis y Estamos muy agradecidos de poder disfrutar con ustedes de momentos de comunión fraternal. De 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 fraternal. Y para nosotros también... Es algo especial poder de de dios pour nous c'est vraiment un privilège de pouvoir partager pendant ces jours la parole de dieu avec alléluia al Dioden, donc nous remercions le pasteur Dieudonné. à léglise épouse l'église pour nous avoir afin d'être avec vous Hace 17 años que servimos a Dios aquí en Francia. Hace 17 ans que nous le Señor en no, Yo soy originario de Perú. Yo soy originaire del Perú. Y mi esposa, ella es francesa. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y juntos servimos al Señor. Y juntos servimos al Señor. Hemos servido juntos 17 años en Perú. Hemos servido juntos 17 años en Perú. Et nous vivons un temps extraordinaire de manifestations surnaturelles. Parce que le Pérou été visité par le Seigneur avec son Esprit Saint. Le, le Pérou a été visité Saint-Esprit. Ah, vivimos lo que se llama un réveil espiritual un, réveil. Un, es, un avivamiento un a ah, dios nos permitió servir en nuestra patria el señor nos ha servir patria y durante ese tiempo pudimos eh, desarrollar nuestro ministerio haciendo un trabajo donde se plantaron casi 100 iglesias y donc el señor nos ha permis de le servir don dans... Euh, dans cette œuvre, et, et pendant, en, pendant ces 17 ans, le Seigneur a permis que euh, pratiquement 100 églises soient ouvertes. Amen. Alléluia. Pero en todo el país, Mais dans tout le pays, il y a eu des milliers d'églises ouvertes. De que se une quantité de gens qui se sont convertis. Y Dios su palabra con et Dieu confirmait sa parole avec des prodiges, avec des miracles. después de ese tiempo bendecido Dios nos trajo aquí a Francia a una realidad diferente, una realidad diferente inmensas necesidades besoin, pero, con pero con la convicción de que Él es el mismo aleluya que Él puede hacer lo mismo en todo lugar... Y que Él ama a Francia. Francia... Aleluya... Que Él quiere bendecir Francia. Él la Francia... Así que con esa convicción venimos a servirle aquí... Y, donc, avec cette que nous venus servir ici. y hemos trabajado en, en dos diferentes lugares... Nos Primeramente para poder... Eh, eh, en la zona de Limoges... Trabajamos en una iglesia... Durante seis años... 6 ans. Y luego fuimos a un proyecto de plantation d'églises iglesias eh en el norte de en el sur de Francia. Après nous sommes descendus donc à la frontière euh, au sud de, 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 de la France, frontière avec l'Espagne, cerca de Andorra, pas loin d'Andorre. Ah, era, eh, Mucha necesidad. Et beaucoup de besoins également sin iglesia. beaucoup de villes et de villages sans église et donc les, les assemblées de Dieu nous ont envoyé là-bas parce qu'il y avait un projet d'implantation d'église donc on a travaillé là-bas 8 ans Y Dios bendijo ese trabajo. Aleluya, muchas personas se convirtieron. Personas se y predicamos el Evangelio por varios lugares. El Evangelio del poder de Dios. evangelio de la puissance de Dios. Ah, de... Había. La iglesia tenía casi 70 personas en la asociación cultural. Y unas 100 personas que asistían cada domingo. El Señor es el mismo. El Señor, Aleluya. El Señor ama, Francia. El, Señor ama Francia. el Evangelio es el poder de Dios. El es la de Dios. Hace dos años. Dios nos llamó a realizar un ministerio diferente. Ça fait 2 ans que le Seigneur nous appelle à le servir dans un ministère différent. Un uh, ministerio itinerante para poder ser de apoyo a las iglesias, de poder dinamizar el trabajo de la iglesia a través de la enseñanza de la palabra de Dios en el tema de la evangelización, de la plantación de iglesias, de la formación de discípulos y equipar a la iglesia con esas armas espirituales. Y hace dos años hemos comenzado. Donc, ça fait ans a no tenemos una iglesia que nos apoya, sino todas las iglesias que visitamos mais les que nous son las que apoyan nuestro ministerio son, qui nous notre ministerio. son cristianos que de manera individual se... se à notre Ce sont des chrétiens qui, d'une manière individuelle, s'associent à notre ministère. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et Dieu est fidèle. jusqu'ici, il a pourvu à tous nos besoins. De telle sorte qu'il ne nous manque rien. Parce que là où Dieu t'envoie, Dieu te Dieu pourvoit. Donde él te planta, Là où il te plante, hay de il y a des courants d'eau. se da en el de él. Et tu porteras du fruit en son temps. Tu no caerá. Ton feuillage ne tombera pas. Y todo lo que hagas Et tout ce que tu fais prospérera. Es C'est prophétique. Dios me está dando esta Dieu me est en train de me donner cette parole. Para algunas personas aquí, Para personas aquí, donde Dios te planta, Dios te planta es, el es el lugar que él escoge. Tú no eres, tú no eres un árbol que nació por la casualidad. Hay un propósito divino detrás de todo. Il y a un but divin derrière tout cela. Si Dieu t'a placé dans cette église, Alléluia. Va poner todos los il va donner toutes les ressources pour que tu, des frutos, pour que tu portes du fruit, pour que tu prospères toujours. Ne te plains pas de l'endroit où Dieu t'a placé. La es, parce que la Bible dit el justo le juste fleurira. Puedes estar en el lugar más inhóspito. Tu peux être dans l'endroit le plus inhospitalier. En la altura más difícil. Tu peux être sur des hauteurs inaccessibles et difficiles. Si Dios te puso ahí. Ves si porque tiene qui parce qu'il a un plan, il a un but. Dios puso un ministerio aquí. Dios a puesto un ministère ici. Dios ha puesto una iglesia aquí. Dieu a donné une église. Aleluya. Y le da todos los recursos que tiene recursos que para que todo lo que haga prospere aleluya nuestra misión es poder servir a la iglesia nuestra misión es servir a la iglesia. ayudar a la iglesia en la misión evangelizadora a la misión equipar a los santos para la obra del ministerio que dios los bendiga Que Dieu nous bénisse. Que, que, Dieu vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse prospérer. Que juntos en esta mission, Et qu'ensemble, dans cette mission, podamos ver la gloria de nous Dios. puissions voir la gloire de Dieu. De sus oraciones. On a besoin de vos prières. qui accompagnen Qu'elles accompagnent nos ministères espiritualmente. spirituellement. Oren por nosotros. Priez pour nous. Porque no paramos. Ya casi hasta el 2025 tenemos compromisos. Y este, ya, este año está ya lleno. ya Vamos de lugar en lugar On va de lieu en lieu para bendecir a la Iglesia, pour bénir para acompañar a la Iglesia pour en la misión que Dios nos ha encomendado. Dans la que Dieu nous a y, y es una tarea extra extraordinaria. <laughs> y es un privilegio ser predicador de la ah, Lo mejor que pudo suceder es la mejor cosa que pudo suceder. Menear. <laughs> vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Lo hago, Señor. Antes de la lectura. Antes la lectura. Quiero hacer una introducción a lo que vamos a leer. Quiero hacer una introducción a lo que vamos a leer. Hemos estado viendo durante estos días. Hemos avons viendo durante estos días. Que combat en Le combat spirituel dans l'évangélisation. Hier nous avons vu. Alléluia! Que de qu à travers l'évangélisation, Dieu va montrer son pouvoir. Dieu va montrer sa puissance. Et nous va donner la victoire. Il va nous donner la victoire. Et dit la Bible. Et la Bible dit. que en ese que en el ejercicio de esa misión que dans de cette mission en el cumplimiento de esa misión dans de cette mission, nosotros somos más que vencedores nous sommes plus que, vainqueurs. que nosotros peleamos contra un enemigo que ya está vencido que, nous un ennemi qui est déjà vaincu. que no tenemos ninguna posibilidad de perder Et nous aucune possibilité de perdre. lo único que tenemos que hacer La seule chose que nous avons a es obedecer lui obéir, asumir el compromiso asumir Y hacer las cosas que Dios nos pedido. Et faire ce que Dieu nous demande de faire. Porque el Evangelio Parce que l'Évangile le de C'est la puissance de Dieu. Ahora, Maintenant, si l'Évangile si no ne manifeste pas sa dimension surnaturelle, c'est très difficile qu'on voit des résultats. Me dejo entender. Vous me comprenez si l'évangile si no manif... eh, ne manifeste pas sa dimension surnaturelle, c'est bien difficile que nous C'est très difficile qu'on voie des résultats. Et bien que nous C'est très difficile qu'on fasse notre tâche efficacement. Jesús lo dijo. Jésus l'a dit. A los que creen. Ces signes suivront ceux qui croient. En mi nombre, en nom, echarán fuera demonios. Impondrán las manos a los enfermos y los enfermos se sanarán. Malades, y si les quieren hacer daño, si mal, y les dieran a beber cosas mortíferas, si no y, les hará daño. ¡Aleluya! La Biblia dice: La dit, recibiréis poder. Une cuando haya venido sobre otro el Espíritu Santo. Le sur vous, y me testigos hasta lo último de la tierra. Y, y cuando esto sucedió. Ceci produit, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse. Saint comenzó aleluya, a se aleluya. Las, l, l, mille, miles de personas se convertían. Des de personas se Los enfermos se sanaban. A la oración de ellos. A la oración en la oración, por la oración de ellos, Par leur prière, el templo temblaba. Le Cuando cantaban, chantait, las paredes de las prisión venían abajo. Les murs Cuando ellos caminaban, marchait, la sombra de ellos ombre, levantaba enfermos. los mes, oh, lo sobrenatural se manifestaba. Le y se San manifestó. Pablo dijo que. que dije, mi predicación no fue con vana palabrería Ma predicación pas été avec de vaines, euh, paroles, sino con demostraciones del Espíritu de, de, de Dios la dimensión sobrenatural la confirma la palabra acompaña la, la palabra la si yo predico el Evangelio si yo, yo tengo que tener una expectativa Je dois que el Dios del Evangelio de va a confirmar su palabra y te va a ganar et y te va a ganar y te va a bendecir. Y va a hablar a tu corazón. Y parla Yo no quiero aquí darte información. Yo no he venido para que tú tengas eh, con, eh, un conocimiento. Que, le pueda, que pueda saciar algunas interrogantes en tu mente. Je ne suis pas là pour t'apporter euh, des, des informations qui vont venir euh, apporter des réponses simplement à ton intellect. No. Non. Non. L'évangile n'est pas une information. C'est une transformation. C'est une transformation. La iglesia. Et donc l'Évangile, no, euh, l'Église, pardon, tiene que tener en cuenta doit prendre en compte este aspecto. cet aspect-là. La dimensión sobrenatural. La dimensión surnatural. Por eso estamos orando. Es por eso qu'on prie. orado. Por eso estamos ayunando. Es por eso qu'on hemos Aleluya. Alabado Por eso estamos clamando. Es por eso que hemos clamado. Y diciéndole a Dios. Y diciendo a Envía Dios. Envía tu poder. Envole ta puissance. Ayúdanos a obedecerte. Ayudanos a obedecer. Pero Señor acompaña tu palabra. El Señor acompaña tu palabra. Con prodigios y milagros. Con prodigios y milagros. El capítulo 4 del libro de los jueces. Le chapitre 4 du livre des juges qui va être la base de notre prédication. Va la base de notre prédication. Et le chapitre 5. Et le chapitre 5. Je ne peux pas lire en entier les deux chapitres. Ah, mais je vais vous raconter les aspects importants. Non. Le chapitre 4 du livre des juges nous parle d'une réalité que le peuple d'Israël est en train de vivre. 2, 4, Chapitre 4, verset 1 et verset 2. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Rochet-Gohim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. La, 1? Comment commence le verset premier Les enfants d'Israël. Firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ça, c'était la permanente peuple d'Israël. Ça, c'était un comportement permanent dans le peuple d'Israël. Le dernier verset de ce livre nous de ce Nous parle de ce comportement. Et que dit le dernier verset? De l'ultimo livre, de l'ultimo capitulo. Du dernier chapitre. Ah, que dit la Bible? En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. <laughs> il y a des gens comme ça dans l'église? Cada uno quiere hacer lo que mejor le Chacun veut faire ce qui lui semble le mieux. Y esa era la Et ça, c'était le comportement. En fait, ça, c'est le verset clé qui permet de comprendre tout le livre. Pourquoi s'explique se la conduite Parce que s'explique leur comportement. A hacer lo malo. Et ils ont encore fait ce qui était mal. El contexto, El contexto histórico era que ellos querían hacer las cosas a su manera. Y en esta misión, en esta misión no hay que hacer las cosas. Notre il faut pas qu'on fasse les choses à notre manière. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Et il a dit dans sa prière Venga a nosotros tu reina, que ton règne vienne sur nous. Venga sobre nosotros tu gobierno, que ton gouvernement vienne Venga sur nous. Venga sobre nosotros tu autoridad, que autorité vienne Venga sur nous. Venga sobre nosotros tu, tu señorío, que ta seigneurie vienne, vienne sur nous, ta puissance. Vienne vienne sur nous. Pourquoi faire Pour que se fasse ta volonté. Pour que ce soit ta volonté qui soit faite. Nous estamos aquí para hacer nuestra voluntad est pas ici pour faire notre estamos aquí en la tierra ici sur terre para recibir la revelación del cielo pour la revelación du ciel acerca de lo que dios quiere que nosotros hagamos au sujet de ce que, Dieu veut que nous de la forma que él quiere que nosotros vivamos y la manera dont él veut que nous vivions. pero si en una iglesia cada uno quiere hacer lo que bien le parece Mais si una es el caos. Es el caos. Es el descubrimiento. Y pas de dirección. Es la anarquía. C'est l'anarchie. Y Dios ha creado todas las cosas. Et Dieu a créé toutes choses. A través de un reino. A un y en ese reino royaume, hay autoridades. Y hay esferas de servicio. Y, de y él ha establecido cómo tienen que hacerse las cosas. Por eso nos ha dejado su palabra para revelarnos parole. su voluntad. Y, y, y que nosotros podamos aprender cómo hacer las cosas. Que Pero si vivimos... Lejos de su, palabra, Pero si no vivimos de su palabra, sin obedecer lo que ella dice, si no, no nos vamos dice, a inventar entonces vamos a inventar estrategias de estrategia, modelos, de model, esfuerzos. Des y cada uno va a querer hacer lo que quiere. Et va faire ce qu veut. En el reino de Dios. Dans le de Dieu. En la iglesia de Dios. Dans de Las Dieu. cosas se hacen. Se conforme a su voluntad. Selon sa no es como a mí me da la gana. Pas como moi, envie. Porque eso trae confusión. Porque eso trae Conflicto. Ça apporte les conflits. Et le peuple d'Israël avait ce genre de comportement. Cada uno quería hacer lo que le daba la Chacun voulait faire ce qu'il avait envie. Dios les dijo, Alors Dieu leur a dit: naciones que ustedes van a conquistar, Les nations que vous allez conquérir. No les nations que vous allez conquérir. Ne les hagan tributarios. Uh, ne uh, leur faites pas payer d'impôts. Ni que se juntent con ellos. Et ne vous unissez pas à ces nations. De Éloignez-vous d'eux. Que que la première chose qu'ils ont fait c'est soumettre ces nations les impuestos, leur faire payer des impôts y vivir del trabajo de los demás. et vivre du travail des autres. Et, et, et c'est comme ça qu'ils ont transmis le paganisme le que ils leur ont transmis le paganisme l'idolâtrie l'idolâtrie la rébellion la rébellion y esta conducta et ce comportement est transmis il est transmis par ces peuples que eux devaient s'éloigner par les peuples dont ils devaient s'éloigner vivaient comme qu'ils voulaient il vivait comme il voulait alors le chapitre 4 verset 1 nous dit le que le peuple d'israël fit encore encore le mal ce qui est mal Otra vez. encore Otra vez. encore et et qu'est ce qui s'est passé un roi païen Jabin, Appelé Jabin, les a opprimés 20 pendant 20 ans et il dit que les opprimait avec violence et il dit qu'il les opprimait avec violence en espagnol il dit les opprimait cruellement dans la version espagnole il les opprimait avec cruauté Y era un rey poderoso. Et c'était un roi puissant. Un ejército importante. Il avait une armée importante. 900, carros de guerra. 900 chars de guerre. Et qu'est-ce qu qu'Israël avait Su conducta pecaminosa. Sa, Son comportement de péché. Su vida en esclavitud. Sa vie esclave. Su vida en sufrimiento. Leur vie de souffrance. Mais ils Pero algo. Mais alors ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Eh, 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 Alléluia. está la clave. La clé, elle est là. Amen. Ah, ils souffraient. En ils étaient dans l'esclavage. Un, un roi païen les opprimait. Tenía un ejército poderoso. A, ce roi avait une armée puissante. 900, de 900 chars de guerre. Qu'est-ce qu qu'Israël avait? Un dieu, Un dieu dans les cieux. Et que Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Clamaron. Ils ont crié à ah, Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce peuple qui les clamait, et ce peuple qui a crié à a Dieu. Que en la et en pecado, malgré le fait qu'ils étaient dans la désobéissance, dans le péché, c'était le peuple de Dieu. C'était les enfants de Dieu. Un, hijo jamás deja de ser un, hijo. un enfant ne cessera jamais d'être notre enfant. Peor en los malos et surtout s'il si est dans de mauvaises voies. Oh. Oramos por él. On prie pour lui. Amen. Que su vida Nous voulons que sa vie change. Que su Nous voulons que sa réalité change. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu sont opprimés cruellement. Entonces, Alors, crié à, à l'éternel. Alléluia. Et il no n'y a rien de plus grand. Que el corazón de et qui attendrit le cœur de Dieu. El de hijos. Que le cri de son peuple. Si, tu hijo a hecho lo mal, si ton fils a fait quelque chose de mal. En la drogue. Il est Il est dans la drogue. Si il est parti de la maison. Et, de repente, il apparaît. Et là, il apparaît. Et, tu Et là, tu le vois, il est sale. Flac. Il est maigre. Todo desordenado. Et tout en vrac. En vrac. <laughs> Et à porte. Et là il frappe à ta porte. Il et il te dit, Mama, maman. Maman. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai faim. Comer. Je veux manger. Qu'est-ce Qu que tu fais? Ha. Entre. entre Et tu lui donnes à manger. Parce que c'est ton fils. Parce qu'un fils peut être la prison. Il peut être en prison même. Il peut être dans l'endroit le plus isolé. Même jusque là-bas, tu vas le chercher. Los hijos de Israel clamaron. Les enfants d'Israël ont crié à l'Église. Et, Et ils ont dit à Dieu Aide-nous. Vous vous rappelez du livre de l'Exode Israël était en Égypte. Et la, Biblia dit... Et la Bible dit qu'ils ont crié à l'éternel et, et Dieu a dit à Moïse j'ai entendu le cri de mon peuple j'ai vu le, la, euh, comment le peuple égyptien les maltraite le a a alors je t'ordonne d'aller faire sortir mon peuple Jérémie 33 dit

nuestra culpabilidad. Notre tenemos que arrepentirnos nous nous y tenemos que volver a Dios a y Dieu. clamar a Él a Lui para Lui. que Él haga milagro. Francia está en crisis. La France est en crise. Si usted no se da cuenta, si vous ne vous en rendez pas compte, la Francia está en crisis. La France est en una crisis, crisis espiritual. Une crise spirituelle. Una crisis moral, Une crise moral. Una crisis política. Une crise politique. Una crisis social. Une crise social. Y Dios nos ha puesto aquí. No para que a parte de la No para que seamos parte de la crisis. Pas pour que nous en partie de la crise. Sinon para poder sacar a esta nación. Mais pour sortir cette nation de la crise spirituelle qu'elle vit. De la crise spirituelle dans laquelle elle vit. Hay más brujos que pastores. Y a davantage de sorciers que de pasteurs. Sur le 1% de la population française évangélique. cent de la population française est évangélique. Hay crisis. Il y a une crise. Falta un pastor. On manque de pasteurs. On manque d'églises. Et, Et Dieu veut changer cette réalité. Traer un Dieu veut apporter un réveil. La volonté de lui est que nadie se Sa volonté, c'est que personne ne se perde. C'est pour ça qu'il a implanté son église. Non, pour que la Église se rencontre. En la crisis. Pas pour que l'Église soit prisonnière de la crise, Sino que la mais pour que la crise se converte en une opportunité, devienne une occasion, pour que le pouvoir de Dieu, pour que la puissance para de que que Dieu, lo de Dios, que le surnaturel de Dieu se, se manifeste. Alléluia Parce que nadie va a sacar a la gente de la crisis. Parce que personne ne va sortir les gens de la crise. Si no es Dios. En dehors de Dieu. Et Dieu le fera. Avec sa puissance surnaturelle. Et donc ils ont crié. Et Dieu a entendu leur cri. Dieu a entendu leur cri. Alléluia. Et il leur donne la stratégie. À

n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Ah, 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 oui. Regardez, Dieu, clamor. Dieu est en train de répondre à leur cri. El pueblo quiere ser libre. Le pueblo veut être libre. El pueblo quiere dejar de sufrir. Le pueblo veut de sufrir. El pueblo quiere que su realidad cambie. Le pueblo veut que sa realidad El pueblo quiere salir de la crisis. Le veut de la crisis. Entonces, ¿qué hacen? Alors, ¿qué Claman a Jehová. Il crie al y como Jehová ha dicho, Et comme l'Éternel a dit, crie à moi et je te répondrai. Alors il répond. Il répond. Le Débora, et il dit à Déborah. Débora et donc Déborah va, elle le dit à Barak. Voilà le message. Tu gente en el monte Tabor. Va et rassemble tes gens sur le mont Tabor. Toma contigo hombres. Prends avec toi 10 000 hommes. C'est simple le message ou non? Le message, il est simple. Mais il faut obéir. Parce que là, pour le coup, c'est une question de foi. Il a pris donc dix mille hommes. Et ils sont allés sur le mont Tabor. Ils disent, Il a dit, on est 10 000. Monte Tabor. On va sur le mont Tabor. Et, et Avec quoi, et avec, quoi? Con avec des pierres. Armes. On n'a pas d'armes. Eux, c'est une armée puissante. 900 de Eux, ils ont 900 chars de guerre. Et Dieu dit que nous allons bas et Dieu nous dit d'aller là-bas et qui nous va dar la victoria et qui va nous donner la victoire eh qu'est-ce qu'il doit faire obéir obéir attendre qu'est-ce c'est quoi ça Fait. foi Fait. foi la fe le juste vivra par la foi parce que dans l'évangile, Romains 1, 17, parce que dans l'évangile, la justice de Dieu se révèle, pour la foi, se révèle par la foi et pour la foi, pour que, comme il est écrit, le juste, juste foi, vivra par la foi. 10 000 hommes sur le mont Tabor. Y dice el señor et le Seigneur dit qu'il va, qu va attirer à eux, au torrent de ont à ses chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et, en et qu'il va les livrer entre leurs mains. Wow! Ils n'ont rien ils n'ont rien. L'autre a 900 chars de guerre. C'est une armée puissante. Ça fait 20 ans qu'il les opprime avec cruauté. Mais les opprimés crient à Dieu. Ils crient à Dieu. Ils crient à Dieu. Le clamor! Et le cri à Dieu. Un C'est une arme puissante. Un C'est une arme surnaturelle. C'est une arme qui active le pouvoir de Dieu. C'est une arme qui active la puissance de Dieu. Dios da Parce que Dieu donne la révélation. Si et si tu obéis et actives la fée, et là tu actives ta foi, verás el milagro. tu verras le miracle. Amen. Le clamor. Le cri à Dieu. Amen. Yo a Dios por Je este rends grâce à Dieu ustedes. pour ce temps avec vous. J'ai perçu dans ces journées une atmosphère, iglesia, une atmosphère dans l'Église d'intercession, de clamor, de cri à Dieu, d'adoration. Et tout ça, ça me donne une liberté extraordinaire. Pour prêcher la parole de Dieu. No eso. Ne perdez pas ça. Zacharie 12, 12, 10. Regardez ce que dit la Bible. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un froid ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un j'en j'enverrai un esprit de supplication, un esprit de supplication, un esprit de clameur, un esprit ah. de clameur. C'est tout. Quand dans l'Église. Quand dans l'Église. Mais, non, c'est une, non, non, c'est une question repentine. C'est pas quelque chose là qui se produit d'un seul coup. Non, non, c'est une mode. C'est pas une mode. C'est un esprit. Non, c'est un esprit. Et quand Dieu lorsque Dieu envoie cet esprit c'est extraordinaire, extraordinaire. Quand es oré, lorsque vous priez se crée cette atmosphère, et que cette atmosphère se crée la gente orar, les gens ont envie de prier temple, ils viennent au temple et, te et là ils sont euh, c'est quelque chose de communicatif la gente quiere orar. Les gens veulent prier. Intercéder. Ils veulent intercéder. Mais, des fois, j'ai visité l'église. Réunion de prière. Huit personnes. De las ocho, six se dorment. Et sur les huit personnes, il y en a six qui s'endorment. Así no ganamos la On ne gagne pas la guerre comme ça. Lorsqu'il y a un esprit de prière, el culto de oración, le culte de prière, c'est une manifestation de sa gloire. Y la Biblia dice, Et la Bible dit J'enverrai. De supplication. Un esprit de supplication, un esprit de, un esprit de clameur, que Dieu nous bénisse, Hallelujah. et qu'il active et qu active en esta et active dans cette église. Un esprit de clameur, un esprit de clameur. Recibe. Reçois, Recibe. reçois, en ti. parce qu'alors s'activera en toi. alléluia No clamor, Quand il n'y a pas cet esprit de clameur, il y a cet esprit eh, de ragot. De cet esprit de confusion. Et chacun veut faire ce qu'il veut. Y no, y no en On n'avance pas avec un même un de clamor, Mais lorsqu'il y a un esprit de clameur, Dieu agit. Lo lo, lo le surnaturel se manifeste. Y se fueron al monte Et donc, ils sont montés sur le mont Tabor. Et Dieu, Et Dieu leur a donné la victoire. C'est ce que nous dit le chapitre 4. Mais, que Dieu la Mais comment Dieu leur a-t-il donné la victoire <laughs> 5, Le chapitre 5 c'est de un chant de Déborah qui nous raconte es lo 4. Ce qui s'est passé au chapitre 4. C'est pour ça que vous devez lire les deux chapitres. Pour comprendre l'histoire. Ah. Et, Et regardez ce que dit Déborah. 5. Chapitre 5. 1. Eh. Correr, correr, Verset 1er. En ce jour-là, Déborah chanta le can ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Ah, que, que dit Déborah dio Comment Dieu a-t-il donné la victoire Déborah dit Bendigo a Dios por los voluntarios. Je bénis Dieu pour les volontaires. <laughs> los voluntarios ganan la C'est les volontaires qui gagnent la guerre. On y va. « On y va oh, !»« encore oh. !»« Pourquoi je vais aller euh, ?»« Pourquoi je vais y aller, moi ?»« Je suis fatigué. »« Je reste ici. »« À la maison, c'est bien. » Les volontaires sont une bénédiction pour l'église. Quand dans une église, il y a des volontaires. Le volontaire, il dit que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais ta volonté. En temps de crise, le volontaire. Les volontaires, Son los valientes. ce sont les courageux se adelante. qui se mettent sur le front. L'évangélisation, c'est une tâche c'est une communautaire. C'est la tâche du corps. C'est le la travail. Iglesia. De le travail dans l'Église la tâche de tous. c'est la tâche de tous. Ce n'est pas la tâche de un. Si, queremos salir de la crisis, si nous voulons sortir de la crise, todos que, que... Il faut tous qu'on retrousse les manches. Ah, tous, Il faut tous qu'on travaille. No de dos, de Ce n'est pas le travail de deux ou trois personnes. Todos, 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 mais todos, tous, tous, tous. Y eso es lo Et ça, c'est ce que Dieu leur El dit. Principio Dios les dice, Le principe que Dieu leur donne. 10 000. Rassemble moi Rassemblez-vous. Parce qu'à travers ce, ce rassemblement. Yo voy a orar. Je vais agir. No hará Dios nada. Dieu ne fera rien. Si cada uno quiere hacer lo que le da si la mano. Y el faire. problema de la iglesia. El de es eso. Ça. Necesitamos voluntarios. De y Deborah dice. Et Deborah dit, Yo alabo a Dios por los voluntarios. Los que se pusieron al frente. Aleluya los que se pusieron a luchar. Ceux qui se sont mis a los que dieron el paso de fe. Pas Aleluya. Wow. ¿dónde están los voluntarios? ¿Dónde están los voluntarios? Aleluya, aleluya. Queremos salir de la crisis. Queremos salir de la crisis. Necesitamos voluntarios. Necesitamos voluntarios. Queremos evangelizar Francia. On veut evangelizar la Queremos anunciar el Evangelio. On veut Ir a los hospitales. Aller a las hospitales, prisiones. Dans les prisons, a las calles. Dans les a rues, las estaciones de tren. Dans les gares. Ah, necesitamos voluntarios. On a de Pero Débora también dice. Mais Débora dit, Había que estaban contaminados qui en avait qui était contaminé? Cultura. Par la culture. De yo quiero hacer lo que me da la gana. De, je veux faire ce que je veux. Y ahí lo dice. Et elle le dit. Dice. El, el Verset 15. Verset 15. Les princes d'Issacar furent avec Déborah et Issacar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Et pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires Acer s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Ah, eh? No, Tous ne sont pas venus. No, Tous n'ont pas été volontaires. à ah, de Ruben. A ceux de Ruben, C'est ceux qui sont pleins de bonnes intentions. Bonitas oraciones. Señor, salva la almas Señor, sauve les Señor, las almas. Señor, haz milagros Señor. des miracles. Mais, cuando les dicen, on y va. Pero cuando les dicen, on y va. Oh lola. <risa> 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 Hay gente en la iglesia. Hay gente en la iglesia. Necesitamos orar. Et il faut qu'on prie. Ayunar. Il faut qu'on jeûne. A, a, a il faut qu'on aille évangéliser. Mais Cuando viene el, el momento de ayunar. Mais au moment de jeûner. <laughs> J'ai je, je. travaillé dans une église. Pasteur, ayunar. Pasteur, il faut qu'on jeûne. À Gloire à Dieu, on va jeûner. Ah, había un grupo Et il y avait un groupe que que qui disait comme ça, ça il faut qu'on jeûne. El Dimanche, on va jeûner. A de la mañana, on va commencer là à 9h à prier. Del culto, nos a orar. Et après le culte, on continuera à prier. En ayuno. Et dans le jeûne. Okay. Okay. Yo ayuno. Donc, j'ai proclamé le jeûne. Llegó las 12 del día. Midi est arrivé. Au revoir, bon appétit. Et le pire. Et le pire. Prie pour moi, pasteur. Bah, C'est pas vrai. Tu te vas à manger. Tu vas manger. Tu vas à tout sofa. Tu vas t'asseoir sur ton sofa. moi je reste ici, con hambre, en ayant faim, clamando, à crier à Dieu, et, et en plus tu veux que je prie pour toi. Je vais prier pour toi Ah oui, je vais prier pour toi. Pour que, pour que le biftek se devienne serpent, oui. Ceux de Ruben c'était eh ben, ça. Ah, tout va mal dans l'Église. Il n'y a rien qui fonctionne. Y dices, on y va. Mais quand tu leur dis, on y va vamos a hacer, vamos a las cosas. On va changer les choses. Uh, eran los de Ruben. ça, c'était exactement ce de Ruben. Et los de ceux de de se quedaron al otro lado del jordán. y son restados al no querían mojarse. y ah, pas no querían enfrentar eh, el reto. y volea pas el défi. ah, aquí. todos se mueven. si todo el mundo se mouille. es el trabajo. todos es el trabajo de todos. dan. dan. se quedó junto a sus naves. il est resté. Près de ces navires. « la más importante su barquito. »« ce petits bateaux étaient plus importants. »« Ah oh, non, si yo me voy, qui me cuide le barco? »« Si je m'en vais, ¿qui c'est qui va veiller sur mon bateau? »« Ah... Oh. »« Acer !»« Acer ?»« Dice que se mantuvo en la ribera, se quedó en sus puertos. Ils... » Il s'est assis au rivage de la mer. Il s'est reposé dans ses ports. Su confort. Il est resté dans sa zone de confort. Su son confort. Sus ses intérêts. Donde está su tesoro, Parce que là où est son trésor, là était son cœur. No Et ils ne sont pas venus. Pero miren, los de Meros. Mais regardez ceux de Méroz. Verset 23 Maudissez mes roses dit l'ange de l'éternel maudissez maudissez ses habitants car ils ne vinrent pas au secours de l'éternel C'est une attitude condamnable C'est une attitude condamnable euh, Oui 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 algo juicio de c'est quelque chose qui apporte le jugement de Dieu Cuando se está luchando les uns luttent, Et les mais que les autres ils sont là pour regarder les pour Ils ne viennent pas aider. L'évangélisation c'est la tâche de tous. Le jeûne est la tâche de tous. L'intercession est, 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 est la tâche de tous. La plantation d'église, la formation des disciples est la tâche de tous. Todos tenemos que salir adelante. Todos tenemos que ser voluntarios. Porque solo voluntarios son los que ganan la guerra. Amén. Los de Meroz. Dios no te va a bendecir si no participas. Si tú no participas sabes lo que es peor. Y tú sabes lo que es peor. Que, venga la à tu vida. que la malédiction vienne sur ta vie. A ton salut. Sur ta santé. Ce n'est pas une menace. C'est ce que la Bible dit. No quiero intimidarte. Je ne suis pas là pour t'intimider. Mais je veux quand même t'avertir. Comment ça fonctionne Le peuple a gagné la guerre. Comment, Comment l'ont-ils gagné La Bible le dit. La Par la manifestation surnaturelle. Ellos no tenían nada. Ils n'avaient rien. No tenían armas. Ils n'avaient pas d'armes. No ils n'avaient pas de ressources. Pero un Mais ils avaient un Dieu. Qui les appelés la unidad. Qui les a appelés à l'unité, à l'obéissance, à, à la foi. Et regardez ce que nous dit le verset 20 Des cieux ont combattu, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Cisera. Le torrent de ont les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de ont. Mon âme fout le pied, les héros. Si je vous, ah, si j'étais vous, me ah, je me lèverais là. Et, et je dirais Gloire à Dieu Moi, adieu. Vous écoutez un petit peu comment Dieu l'a fait Et vous me regardez comme Dieu des barato Comment Dieu a-t-il défait à cette gente? Cette armée. Comment Dieu débaratta le roi de Canaan Comment Dieu a-t-il a son exército A-t-il eu la victoire sur le roi de Canaan et son armée ciel. Des cieux. Les étoiles ont Les étoiles ont combattu. Hé hey. Et hey, il réagit. Del cielo. Du ciel. Del cielo. Du ciel. Il tenait un carrés de guerre. Il avait 900 chars de guerre. Hey, hey, hey. Mais ton Dieu. Il a des étoiles. <laughs> c'est fini. Une petite étoile, c'est fini. Et No oh, mires lo que tiene el enemigo. No Levántate como voluntario. léve como voluntario. Júntate con el ejército. Camina en fe. La foi. Que Dios hará el milagro. Dieu fera le Porque tu Dios, Parce que ton Dios tiene recursos sobrenaturales -naturales para derrotar a tus enemigos. Pour tes Hay brujos. Sorciers, hay idolates, hay poderes satánicos, hay demonios, y Contra todo eso te enfrentas. Tout ça Cuando salimos a hacer evangelización, de tiene que ser en unidad, ce soit dans en clamor. Et... Dans l'obéissance en fait, et dans la foi. Porque, Pourquoi te un reino, Parce que tu vas affronter un royaume demonios, où il y a des démons, enfermos, où il y a des malades, où il y a. fuerzas sobrenaturales del reino de las tinieblas tienes que entender eso que, que la humanidad está en crisis est en que está en esclavitud y hay fuerzas sobrenaturales del reino de las tinieblas que traen mentiras que los tienen esclavos que mantienen a Hay potestades. Hay de que los mantienen cautivos. Mantiene Entonces usted no puede ir. ¿Alors vous pouvez pas aller. Usted tiene que ir. Que y Después de un tiempo de clamor. Après un temps crié en obediencia. Activando la fe. En, la en unidad. dans l'unité Alléluia. Alors là, el cielo se le ciel se manifeste. El cielo se le ciel se manifeste. Le ciel s'active. Le ciel Et ça, on le trouve dans toute la Bible. La dans toute la Bible. Comment Dieu a-t-il gagné la guerre à l'Égypte? Comment? Comment? Il ils étaient esclaves. No Ils n'avaient pas d'armes. Dieu. Dieu. Qu'est-ce qu'il avait Qu'est-ce qu qu'il avait Piojos. Des poux. Pulgas. Des puces. <laughs> Granizo. Il avait de la grêle. Oh, ben. Il a envoyé dix plaies. Dieu, Dieu a tout. Tu, tu padre, Ton père. Il a tout. Si quelqu'un t'attaque. Si quelqu que il envoie là ses guêpes pour piquer. <laughs> ah, no Et tu te dis, oh mais non, mais moi j'ai rien. Je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Je suis petit. Moi, je suis tout petit. Oh, la France, très, très difficile la France. Et Et es là et non! Tu restes là? Non! Ton Dieu a tout! Il a des étoiles! Le, sobrenatural. Le surnaturel. Il y avait des hommes qui avaient étudié pour savoir où Jésus allait naître. Qu'est-ce qui les a conduits? Une étoile. Oui, une étoile. Parce que Dieu a des étoiles. Tu padre, Ton père. Il a des étoiles. Il, il te va, va, te va te aider. Ayudar. Il va te va Quand tu dis, Mais comment je Ton sortir? Ton père a tout. El mar es de él. La mer lui appartient. Y él lo agita. Et il l'agite. Y levanta tormenta. Il fait lever des tempêtes. Pour que el, el pecador se le pécheur se repente. Y Dios una tormenta. Et Dieu a fait lever une tempête. Y el barco comenzó. Et le bateau a commencé. Y la gente se preocupó. Et les gens étaient préoccupés. Parce que Dieu avait fait lever une tempête. Una tempête. Une tempête. Et le pécheur a été au mar. Et là le pêcheur a été jeté à la mer. Et Dieu a dit "Et ne en pèse." Mais Dieu avait un poisson. Que c'est comment al, al profeta. Qui avale le prophète Alléluia. Et luego. Ensuite. Elle veut de toi. Le prophète, il était là dans le ventre du poisson. Il est van. Non non non, ya vomitado ya. Ah non, après qu'il a été vomi. Je pousse au debajo de una planta. Y sembrila sus raíces. Pour que Dieu tient plante. Mais parce que Dieu a un racine. Il Et ensuite, il a envoyé un petit verre. Parce qu'il a aussi des petits <laughs> verres. Même un petit verre, Dieu peut utiliser. Pour faire le miracle. Il tout. Il a tout. Dis à celui qui est à côté de toi. Mi padre tiene Mon père a des étoiles. Ah, Mon père a de la grêle. Tiene piojo. Tiene peces, tiene, Pou, todo, poisson, tiene todo tout, tiene todo el cielo del cielo pelearon las estrellas del cielo pelearon las estrellas ciel, y el torrente de Sison, los barrió ¡Y el torrente de Kizon les a oh, oh, usa todo. Y la de El enemigo se va a levantar va se lever para amenazarte, menacer, para destruirte No Parce qu'il ne veut pas que tu avances. Que tu Il ne veut pas que tu sois bénie. L'ennemi veut te détruire. Ah, ah. Mais je suis avec le Tout-Puissant. Je sers un Dieu puissant. Que lo que me pide. La seule chose qu'il me demande. Es que C'est de crier à lui. Es que de lui obéir. Et que caminent en foi. Fait. marcher dans le reste. Lui, il fera le reste. Il, il apportera le réveil Et Francia. Sur la France. Et, Et la France. sortira de la crise. Sortira de la crise. Saldra de, la, de lo profundo del pecado. Elle sortira des profondeurs du péché. Et nous verrons les miracles. Miracles 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 droite, à gauche. Je veux finir parce que sinon, le pasteur. <laughs> Amen alléluia. Qu'est-ce qu'on a besoin de la crise? De quoi avons-nous besoin pour sortir de la crise? Clame à Dieu. Le criat Dieu. Este pobre clamó. Et Jéhovah de toutes ses angoisses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses angoisses. Elle te va libérer. Él te va a liberar. Él te va a liberar. Él va a te liberar. Ya rababa, aleluya. Él te va a sacar de la crisis. Il va te de Él te la va a sacar de esa realidad adversa. Él va a te sacar eh. de la situación adversa. Clama a Dios. ¡Clama a Dios. Dile a Dios, ayúdame. Dile a Dios, ayúdame. A Dios, ayúdame. Moi. ayúdame. Moi. ayúdame. Moi. Oremos por Francia. Clamemos por Francia. Por la Francia. Clamemos por Francia. Por la Francia. Bendice Crión. mi país. Sácalo de la crisis, Sors -le de la Derrama crise. tu poder, manifiesta lo sobrenatural, Envía un avivamiento. Renvoie un réveil? Únenos como, únenos, como únenos como iglesia, únenos como iglesia para hacer tu voluntad, para ser un pueblo obediente, para caminar obéstand, con fe. Y dans la foi. Eso activa Et ça, ça el poder de Dios, la puissance de Dios, lo sobrenatural de le Dios. L'Évangile. C'est le pouvoir de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Personne ne pourra nous vaincre. Ni même les portes de l'enfer ne pourront contre l'Église. Vous pouvez lire la Bible. Et vous pouvez vérifier que ce que je suis en train de vous dire. Vous le trouvez dans toute la Bible. Amen. Amen. Multiplicó los panes. Il a multiplié les pains. La Il a marché sur les eaux. Même l'anon qu'il a amené à Jérusalem, que no había sido montado por nadie. qui n'avait jamais été monté par personne. Calme, calme, calme. Il était tout calme. A un burro que a Essayez de monter sur un anon que personne n'a monté un peu. <laughs> Mais Dieu a tout. Tu no Lorsque tu crois qu'il n'y a pas de sortie. Cuando tu que tout est terminé. Lorsque tu crois que c'en est fini. Te te Parce que le médecin te dit que tu vas mourir. Parce que le médecin te dit que tu vas mourir. Parce que quelqu'un t'a dit que tu es sous la malédiction. Lorsque tu es dans cette situation limite. Crie à l'Éternel. Y él tiene todo. Y Para sacarte de las crisis. Para sacarte del pecado. Y darte la victoria.